PPT instant. Et oui. Et en tout cas, ça part déjà pour la première game entre Tizi et Underco. Allez, le méga top tier. Les deux méga top tier, évidemment. Wario Joker. Wario Joker, qu'est-ce que c'est? Ah, non, si, c'est bon. Ok. Ça avait lagué, ça avait freeze, mais tout va bien. On va voir les phases. Le match-up, les deux sont très forts. Les deux personnages sont ultra forts, donc je pense que ça doit être even. Globalement, ils ont chacun les outils pour gérer l'autre. Mais en vrai, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir trouver des grosses phases d'avantage des deux côtés. Hein. Wario qui cherche des gros combos. Ouais. Et Underco, lui, qui va devoir trouver des gros dégâts avant de faire arriver Arsène. Ouh, il l'a mangé. C'est bien fait en... Ça, c'est très fort en l'air, en fait. Ça surprend les... Enfin, tu sais, les commandes graves en général, c'est bien. Niauverne qui t'a répondu en disant ouais, et un Shoryu en EB tant que tu y es, Davianel. T'imagines, bah, c'est trop ouf. Je l'ai déjà. Bah oui. Ou alors, tu sais, le EB, mais qui est sweet spot jusqu'en haut. Ça fout. Et du coup, voilà, Arsène qui est déjà là. Il va falloir trouver des dégâts ici. Hein. Un bon backer qui a été trouvé, mais ça sera pas suffisant. On rappelle que Wario est lourd hein, quand même. Hein. Donc il faut trouver des pourcents. Même avec Arsène, tu tues pas tant que ça. Hein. Ah non, mais c'est surtout gratter des pourcents avec. Dans 3 repères par exemple, mais on va aller beaucoup trop loin. Arsène qui est parti, qui aura mis quoi, 50% même pas. Bon, c'est ok, mais c'est pas vraiment suffisant. Hein. Il faudra plus que ça pour tuer Wario ici. On rappelle que les deux persos, c'est un peu bizarre parce que les deux persos peuvent camper pour avoir leur outil de comeback. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais du coup, les deux persos veulent pas que l'autre campe pour l'outil de comeback. Donc, Après, quitte à camper, je pense que Joker le fait mieux. Ouais. Parce que il peut allumer coup de pistolet le Wario de loin et lui gratter les pourcents pendant qu'il campe, tu vois. Alors que Wario il est pas obligé de s'approcher, il a zéro projectile. Et puis Joker, il a plus souvent sa mécanique de comeback que Wario aussi. C'est vraiment Wario, ouais, c'est à bien plus long terme. Ouais, mais c'est pas forcément la même utilité, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Pas que tu me diras, je pense que Arsène va rester plus fort que le WAF, ça, quand même. Ouais, parce que le WAF, tu t'en sers une fois, ça t'a pas un coup fort, alors que Arsène, pendant toute une phase, t'es vraiment un perso surboosté pendant très longtemps, quoi. C'est l'entièreté de ton kit. Oh, dommage, on a cherché le Dantro. Et la bonne tech chase ici, hein, avec le dash attack. 176%, par contre, c'est vraiment dangereux. Mais pas de Arsène, donc à mon avis, il va peut-être pas tuer tant que ça. Hein. Et vous voyez le timer, hein, 4 minutes 50, le waft est déjà là. Ouais, et avec 170%, la rage peut vraiment influencer le truc. Et à mon avis, avec 170%, un P à 30, ça tue. Hein. Ah ouais. Ça déconne zéro, hein. On le connaît, hein. On le connaît, le waft, après, le waft de Wario. Est-ce que la rage fait que les nerfs sont plus durs à connecter? Peut-être. Ouais, tu vois, voilà, regarde, le nerf 2 a pas connecté parce après, que je pense qu'il en va trop loin. De base, faut savoir que c'est peut-être une idée reçue hein, comme ça, mais nerf chez Wario, c'est vraiment pas facile à connecter hein, de base. Il y a plein de persos où c'est dur à connecter. Ouais, sur une game out, ouais. Et du coup, je sais pas si Joker, comme il est tout fin, je sais pas si ça en fait partie ou pas. Parce que je me dis, comme il est vraiment fin, peut-être que les nerfs sont pas faciles à connecter sur une game. Je sais pas si c'est une question d'épaisseur ou si c'est une question de gravité. C'est vrai que Gluto avait analysé un de ses matchs contre Nairo où il disait qu'il galérait trop contre Palutena, c'était presque impossible. Un bon drift, c'est peut-être un peu flotty, tu vois. C'est ça. C'est vrai qu'elle a sans doute un meilleur drift que Joker. Mais ouais, t'as raison, c'est vrai. Donc je sais pas trop comment ça se passe dans ce match-up. Ça peut beaucoup jouer hein, dans le match-up, le fait de changer la phase d'avantage de Wario à ce point. En tout cas, voilà. Pour l'instant, Underco, il exploite bien ces deux phases d'Arsène. Hein. Il a eu une phase d'Arsène par stock, à chaque fois, il a mis les deux. Il est vraiment très très chaud ici. Une moto qui est balancée dans Wario. Il tire à travers la moto, ça traverse. Parce qu'en fait, c'est pas un projectile du tout. Hein. C'est une hitbox, tu peux pas la reflect par exemple. Ah ouais, c'est un peu bizarre. Et voilà. Et non, le waft malheureusement qui ne touchera pas. J'ai l'impression qu'il a pas buffer son jump et qu'il a mis longtemps. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai l'impression qu'il a sauté très tard. C'est dommage parce qu'il a eu une très bonne rip de tech ici. Ah, les logos sont pas mis à jour. C'est ma faute, pardon. Je le fais tout de suite. Ubi contre Bush. Hop, on n'a rien vu. Les logos sont mis à jour. Merci au chat pour être les. C'est ça. Merci sous Wif. Et du coup c'est assez even ici. Hein. Nos ingénieurs à domicile, vous savez, pour du télétravail. Alors qu'il y a bientôt, il y a plus le waft chez Wario, il y a bientôt Arsène chez Underco. Il reste 3 minutes, hein. Ils prennent leur temps quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Exactement, ils prennent leur temps. Visuellement, ça a l'air dynamique, mais il y a quand même pas mal de temps d'écoulé. Et oui, mais c'est vraiment les mécaniques des persos hein, qui font ça. Ouais, les persos qui bougent beaucoup. Ça tue. Et ce side B qui va tuer. La rage, la hauteur. On devrait retrouver un full waft avant la fin de la game quand même. Hein. Ah, il aura peut-être dû attendre en vrai, tu sais, sur la zone de rip-hop en hauteur. Ouais, pour camper Arsène, évidemment, c'est très important. C'est pas une bonne idée de redescendre tout de suite. Parce qu'on prend beaucoup de pourcents pour rien, alors qu'on a déjà un retard de stock ici dans Nair Up Smash, par exemple, qui est un combo assez classique avec Arsène, et qui met beaucoup de pourcents. Le compte qui a été bien trouvé ici.
Il aurait peut-être pu le manger, hein, toi, pour attention, éviter ça. Non, cette neutral get-up. Ok, c'est bon, on ne meurt pas, super. Évidemment, sur une bonne DI ici, on ne meurt pas, on meurt très tard. Savoir que ouais, Wario aime bien, bien bite parce que ça peut couvrir plusieurs get-up. Il sort de la moto pour se cacher derrière. Et voilà, la dash attaque qui va prendre la stop. 72%, mais il est lourd, ça se rattrape. Je pense qu'en plus, il risque d'avoir un deuxième waff là, non? C'est ce qu'on se disait, hein, c'est qu'il y a des chances, de, même s'il ne l'a pas maintenant, qu'il l'ait assez tôt pour comeback en fait finalement. Je sais pas même s'il a un mid-waff, ça suffit, enfin, il peut faire c'est des trucs, ça. Ça dépend du pourcent, là par exemple à l'edge ça suffit quoi. Mais le full waff de toute façon il peut le retrouver, hein, je pense. 60%, et par contre le truc c'est qu'on doit noter la présence d'Arsène ici. Ouais voilà, tu vois il a le full waff, hein, qui est là, bien joué ici, malheureusement pour Tizzy, il a voulu Redin Roll. Et voilà le EPR qui va prendre la stock, première game pour Underpour. Aussi lourd soit-il, le kill power d'Arsène est indécent. Et oui, exactement. Underco qui prend la première game, je crois qu'il a ban les triplettes. Non, les deux jouent très bien. Il a ban les triplettes, je sais pas si j'ai bien entendu. Mais... J'ai pas entendu non plus. Ça me semble bizarre, non? Mais les deux avaient l'air de très bien jouer quand même. Hein. Ah oui, oui. Bah là, on est dans. S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont. C'est ça. C'est pas des randoms. Ouais, les caméras sont mal mises, ouais. En fait, à chaque fois qu'on les remet, elles glissent doucement vers le côté. Comme ils sont beaux dans le cadre. Et je pense que le bruit, ça doit faire vibrer les tables et ça les décale. Ouais, c'est ça. Ça se trouve. Hein. Ah, c'est possible. C'est possible. Eh, ne jamais sous-estimer les vibrations. C'est, ah bah ça. C'est un fléau. Non, mais c'est la cause d'énormément de déréglages. Tout ce qui est mécanique en général, les vibrations, c'est ce qui fout la merde. Ah, c'est sûr. Ça, rien qu'une bagnole, il y a beau avoir de la gomme sur les pneus pour amortir les vibrations de la route, ça fait du mal. Hein. Exactement. Et du coup, on part en game 2 sur Small Battlefield. Je sais pas si la map est bien. Quoi, tu me diras, je pense que pour faire, tu sais, genre des nerfs repères avec Joker, ça marche très bien. On avait vu une équipe Infinite, il me semble, il y a quelques semaines avec sur ces maps. Pas mal de fois. Wario, je pense que Wario, il aime bien toutes les maps qui sont pas trop grandes. De toute façon, Wario, il aime bien toutes les maps. Hein. Ouais, je sais, même les grandes maps, il a la mobilité pour se déplacer dessus. Donc, c'est ça. C'est un perso qui est pas trop gêné par les bans de maps. On trouve malheureusement cette phase d'avantage qui s'arrête instantanément côté Tizzy, qui n'a rien trouvé après ce upstrow. Il faudrait commencer à trouver des nerfs, de faire quelque chose pour Tizzy, parce que là il commence à accuser d'un retard assez conséquent. Non, il essaye de faire quelque chose qui est impossible, c'est-à-dire punir Joker quand il tape ton bouclier. C'est ça. À savoir les nerfs safe on shield. C'est un truc qui est complètement débile parce que si tu regardes du Symmetry Mdaton, techniquement il n'y a pas grand chose de safe on shield, mais dans la réalité t'arrives jamais à punir. Ouais, c'est vrai. Je comprends pas trop, mais genre le nerf on shield, il a l'air safe de ouf et tout. Il y a plein de trucs qui ont l'air safe. Et qui sont super durs à punir. Je sais pas si c'est une histoire de frame data ou si c'est une histoire de la posture qu'il a, genre quand il tape, qui fait que tout passe au-dessus. Donc tu peux pas faire genre là. On a vu à chaque fois qu'il tapait son shield, il essayait de faire des backers out of shield avec Wario, et à chaque fois il touchait pas. Voilà un backer qui va toucher Underco ici. Et on a vu malheureusement, hein, il a pas très bien profité de son Arsène. Ah, mais le Arsène disparaît au pourcentage où il en aurait besoin en fait. C'est ça, donc à chaque fois. Il est à haut pourcent, donc il peut tuer sans le Arsène, mais il faut qu'il le touche quand même. C'est parce que là vraiment Tizzy a eu du mal à trouver ses phases d'avantage et il l'a trouvé pile quand il y avait Arsène en fait. Ouais, et ça. Du coup bah il a tempo tout Arsène. On a vu la dash attack qui tue pas à 160. Ouais, par contre lui avec la rage, tu vois, la dash attack de Wario elle a failli tuer. Est-ce qu'il a game? Il a gardé son saut, il a gardé son saut. Okay. Bizarre qu'il a pas tenté un donner pour le catch. Attention au tech chase ici au bite et ça. Avec non, la ça rage, va pas tuer non, encore. Même pas. Non, ça va pas tuer. T'as tué plus vers les 140 je crois. Ouais c'est ça. Sauf si tu DI très mal. Si tu DI away. Oh putain, il était en sandwich. Et là, sandwich meurs, entre la moto et la dash attack. T'as un très bon ledge trap ici, trop ouais, bien. Il faut regarder. Et voilà, il lève les yeux au ciel, hein, il se dit j'ai perdu mon. Je viens de me faire Rico, enfin rattraper comme ça. C'est très chiant le revenge kill, hein, ça, pour le moral. Tu viens de faire un travail très dur pour avoir l'avance et tu la perds instant. Oui, non, moi je suis très fort pour les revenge kills avec Luigi. Ouais, c'est vrai. J'ai l'habitude de faire on des comebacks. On a pu l'observer. Ouh, et le upper en landing into waft. Et là, c'est et là la stock entière d'avance. Hein. C'est là que tu vois la force de Wario. C'est là que dès que t'as un setup de waft qui est fait, ça devient la panique quand t'es son adversaire parce que tu sais que t'as un retard énorme. Ah bah oui. À rattraper, surtout quand t'es Joker et que t'as pas envie d'accumuler de retard parce que tes Arsène tu les as pas à l'infini. Très très bon ici. Alors, il est mort. Est-ce que t'as vu l'animation? Ouais, on avait l'impression qu'il descendait à la même vitesse qu'en fait il est en train de le manger pendant que l'autre était en train de parer et que les deux se touchaient pas et d'un coup la parade c'est fini, ça l'a chopé. C'est trop bizarre. C'était trop bizarre. Du coup ça fait un partout. Bien joué de la part de Tizzy, ce neutral B à la fin qui a permis de prendre la stock très très tôt. Mais en fait il a trouvé le waft, hein, et ça a fait la game. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Enfin, c'est vrai qu'on dit, on parle du neutral B, mais bon, le waft avait presque plié la game avant.
Ah ouais. C'est vrai que la game 1, finalement, il l'a pas trouvé le WAF, du coup, ouais. C'est peut-être ça qui a joué. Bah, c'est sûr que ça a joué. Le setup WAF raté, c'est, ça joue souvent hein, de rater le setup WAF. Ouais, je pense que c'est peut-être un problème de trop compter là-dessus. C'est possible, ouais. Genre, c'est comme moi avec Luigi, bah, ne jamais. Oh là là, vous avez vu. Tu vois, il te contredit. Tu n'as pas vu. Mais quoi, qu'est-ce qu'il fait ? Regarde bien. Oh, Underco, oh, après le confinement. Retour aux sources d'Underco. Après son temps de confinement. Après 6 mois de non-jeu. Après 6 mois de non-jeu de Zero Six. Est-ce qu'il sait encore la jouer ? Alors, c'est étonnant parce que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il se dit qu'il. Enfin, pourquoi il l'a pris ? Est-ce qu'il va mieux ? Est-ce qu'il pense mieux y arriver dans le match-up ? Je suis pas serein, honnêtement, pour lui. Hein. Je sais pas, peut-être que tu sais avec le Dambi en désavantage et tout, je sais pas. Je sais pas ce qu'a été sa réflexion. Il se fera peut-être moins bien ledge trap, tu vois, avec ZSS. Parce que autant le perso a plus de sauce, je trouve, que Joker, parce que Joker, il y en a un peu ras le cul de le voir. Mais moi j'adore. Hein. Comme disait. Je suis pas du tout sûr que ça soit plus efficace. Hein. Moi je ne suis pas d'accord avec TPK qui disait zéro sauce Samus. Hein. Ouais, non, mais il a moi j'adore ce perso. Il suffit de regarder Mars au Genesis pour savoir que le perso il est ultra saucé. Quoi. 5D et TPK qui vont nous détester pour avoir dit ça. Pour avoir dit que c'est parce qu'ils ont Smash 4. C'est Smash 4, ils faisaient des dance throw, des repères repis, c'était débile. Mais là maintenant, c'est des stats. On n'a pas tous le même âge, hein. Moi j'ai pas joué à Smash 4. C'est beau Smash 4. Enfin, je dis ça, mais j'avais l'âge de jouer à Smash 4. Quoi. J'avais pas de Wii U quoi. Moi non plus, j'avais pas de Wii U. Le petit upper en tout cas, ça ne tuera pas ici. Pour l'instant, c'est even. Le neutral, le FT qui va instant catch. 117% au milieu du terrain qui tue. Attention à ce side B qui a failli tuer ici. Elle est très légère. Ouais, elle est bien légère. Alors là, le problème qu'il risque peut-être d'avoir aussi, c'est bah, peut-être que passer de Joker à ZDC, c'est quand même vachement différent en termes de game style. Je pense qu'il y a une période de transition où il va en chier. Là. Peut-être la première game, elle va être quasiment donnée juste pour s'habituer. Quoi. Absolument, et merci encore pour le follow ici. Un bait qui est fait, on ne trouve rien derrière ce bait. Et voilà, tu vois, c'est ce que je disais, dans le désavantage, tu galères un peu moins quand tu Wario, je pense. Ouais. Avec ZDC qu'avec Joker. Ouais, tu peux mieux le contourner, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que les guns, c'est bien, mais. Ça te permet pas de sortir trop du corner contre Wario. Et attention à ça. À mon avis, je pense que il s'est dit la portée de ZDSS, qu'elle a plus de portée que le Joker quand même, entre le Zer ou le Neutral Air, tout ça, elle a pas mal de portée. Avec tout ce qui est toutes les attaques avec le fouet, peut-être qu'il s'est dit que ça allait être plus pratique pour le maintenir à distance, presque ici. Bah, en fait, il pensait vraiment juste remonter au B pour remonter plus vite, je pense. Que juste down B et se faire punir d'un F tilt ou d'un back air. Il a eu peut-être peur de ça. Non, il a fait malheureusement, que deux. Il est descendu trop bas. Et du coup, le full ward qui est ici. Ah hein. Oh, bah mince. Et voilà, le commentateur curse. Il a quand même une stack d'avance. Hein. Le Zer aurait fait le taf en Rico. Ouais, par exemple, le Zer aurait fait le taf en Rico, comme dit Sourif. Bah, le problème des tasers, je pense que si ça fait longtemps qu'il a pas joué ZSS, en plus, c'est de savoir exactement la zone dans laquelle ça catch l'edge en fait. C'est jamais évident, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et voilà, tu vois, maintenant il prend pas le bait. Genre vraiment, le perso, comme il peut Rico haut, ça peut poser problème aux phases de ledge trap de Wario. Ah, dommage ici cette moto. Non, la moto, elle bat un peu tout le kit de ZSS, j'ai l'impression. Genre, tu peux pas le battre. Non, mais je veux dire au sol, genre tu peux pas battre le neutral B. Voilà, le fort arrière, ça vient de toucher. Il a juste à faire une aérienne. Ce que je disais, le jeu au sol est battu par la moto, évidemment, mais pas son fort arrière. De toute façon, le jeu au sol de ZSS, ça se résume à quelques moves. Hein. Genre c'est son jab parce qu'il sort. Son vite, side B parce que. Son down smash et son side B parce que c'est. Ouais, le down smash c'est si ça passe, mais si ça passe pas c'est pas franchement utile. Hein. Oui oui, mais ça peut prendre des vies assez tôt. Ouais, et cette dash attack, parce qu'il n'a pas tech. Ça fait 2-1 pour Tizzy. Ouais, un peu dans le doute là. Hein. Est-ce qu'on va rester sur cette ZSS? ZSS elle a pas fait trop le. Je pense qu'il va repasser sur le Joker. Hein. Bah ouais, c'est pas. Déjà je pense que dès le départ c'était pas franchement un matchup meilleur. Je pense que c'est exactement pareil. Mais si en plus il doit reprendre l'habitude d'un perso vachement différent, qu'est-ce qu'il va faire? Oh quoi? Quoi? Mais non. Alors faut savoir qu'il a taffé Diddy Kong il y a 2 semaines. Mais en vrai, il y a 3 semaines peut-être. Je pense Diddy contre Wario c'est pas mal. Diddy contre Wario c'est pas mal. Parce que au CAC, Diddy c'est un monstre hein, quand même. Hein. Ah bah il se casse la gueule. S'il peut tenir tête à un Wario corps à corps, c'est pas mal. Le truc c'est qu'en fait les phases d'avantage que te met Wario et Diddy Kong il peut faire pareil. Genre vraiment. Malheureusement, il faut savoir que Tizzy traîne aussi un Diddy en ce moment. Ah, donc il connaît le perso. Il connaît bien. Oh là là. Il a side B cancel avec le flip kick là. Mais ouais, c'est vrai. Même Durko en total roue libre. Ouais, le mec, Son idée, pourquoi est-ce qu'il switch de perso? Ça fait longtemps qu'il a pas fait top 8, il a besoin de ça quoi.
il a besoin de partir en couille s'il y a la moto qui ne, qui, évidemment, qui ne battra pas la comme ça nos amis graphistes vont s'amuser à mettre 4 personnages sur la s'il gagne, sachez qu'il va switch wolf hein. Pas du tout évidemment, on l'imagine pas faire ça. Bah pour l'instant, c'est Even, hein, il nous prouve que bah, c'est pas dégueulasse. Hein, mais bon. Il veut devenir le nouveau GD. Hein. C'est assez fou. Oh, le B qui touche. Peut-être un backer, non. Ouais, malheureusement, on trouve pas les aérioles ici. Le up smash qu'on aurait pu toucher, mais voilà, le up smash de Diddy Kong qui a du mal à connecter et qui n'a c'est pas réussi à toucher. Pour l'instant. Oh, c'est risqué. Est-ce que tu tentes, Sissian Dorco? Le up smash, il a pas de portée derrière toi en fait. Tu n'as pas de portée derrière Diddy Kong avec ton up smash. Faire attention ici. Aïe aïe aïe. Galère hein, pour l'instant. C'est... Il a été vachement haut, je trouve. Ouais, ouais. C'est ça, Diddy Kong ? Ouais, sur le deuxième nerf de Wario, il a vachement décollé. Je sais pas trop, j'ai pas trop fait gaffe. J'ai cru que tu disais après son saut, parce que Diddy Kong, il a des très très grands sauts. Non, mais j'ai l'impression que le deuxième nerf de Wario, il avait envoyé ultra haut, tu vois. Ouais, il a tenté le flip kick en edge cancel pour faire un setup à la banane derrière. Malheureusement, il a rien trouvé. On pourrait trouver quelque chose du genre down tilt fair ou down tilt backer ici. On est trop haut pour cent pour un down tilt up smash, je pense. Donc soit setup à la banane, soit down tilt backer, soit down tilt fair. Le up tilt qui pourrait tuer aussi côté underco. Faut évidemment faire attention. C'est moi où il essaye de tuer que au side B. Je sais pas. Faut savoir qu'il y a pas mal de kill confirm hein, chez Diddy Kong. Hein. Ce serait dommage de ne se limiter qu'à ça. Ouais, mais c'est un perso qui joue comme ça, il les connaît pas forcément, tu vois. C'est possible. Peut-être qu'il l'a pas assez train, évidemment. Je pense que voilà, il le sort comme ça. Il va sortir son plus beau Falco. Ah, il aura pu profiter. Ah, déjà, il faut. Back trop. Je sais même pas. Ouais, apparemment. On voit rarement tuer comme ça. Hein. La forward throw, tu peux. Bah, je sais qu'il a un bon combo game sur ses throws, mais je sais pas qu'il avait une back throw. Mais à très haut pourcent, ça sert plus à rien les throws presque. Par contre, si se replacer sur le terrain. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a le flip, le side B qui peut tuer aussi à très haut pourcent. Malheureusement, on a une stock complète d'avance et toujours le waft. Bien joué ici. Alors dans le smash, ça marche mieux que dans le smash, mais alors, il a réussi. Je suis pas sûr que c'était trop parce qu'on a vu le Wario avec temps de se retourner et taper ou danser l'animation. Dans le dance smash, c'est trop, mais pas F smash. Et on commence à trouver quelques pourcents ici côté. On voit que c'est un verso sur lequel il est pas super à l'aise. Il fait des trucs propres, on voit qu'il l'a un peu joué, tu vois. Mais c'est clair que le verso, c'est pas son main, quoi. C'est ça. Bien, reviens bien à l'edge ici. Elle est très bonne cette get-up roulade en fait. Genre, la vitesse où il est allé, c'est un jeu de. Ah, Didi ? Ouais. Ouais, bah. Je sais pas, il est perso, super vite. Le perso est bon. Hein, ah ouais, mais moi j'adore ce perso. Genre. Je l'ai traîné un peu, mais j'avais jamais noté que la get-up roulade était. Ouais, il bouge grave. Super bien. Moi je pense que le perso est vraiment très très fort dans le jeu, qu'il a été découvert assez tard quoi, mais. Bah. Oh, l'extend du waf. Si bien il joué. Il l'a eu en dessous ou il l'a eu pendant qu'il remontait? Ouais, c'est ça. Il l'a eu en dessous, je crois qu'il l'a eu pendant 40. J'ai pas du tout.